Toujours en Asie, le nouveau président philippin Rodrigo Duterte a annoncé que son pays ne déclarerait jamais la guerre à quelque nation que ce soit. Il a également exprimé le souhait que le différend en mer de Chine méridionale puisse se conclure en douceur dans le cas de l'obtention de la paix par voie de négociation. Son ministre des Affaires étrangères a quant à lui affirmé que, contrairement à ce que demandent certains gouvernements étrangers, les Philippines ne feront aucune déclaration forte concernant le résultat de l'arbitrage sur la mer de Chine méridionale. Dans sa réponse, la diplomatie chinoise a fait savoir qu'elle souhaitait que Beijing et Manille aillent dans la même direction, sachant que la Chine gérera de façon adaptée les questions concernant ce sujet. On écoute Hong Lei. En mer de Chine méridionale, les Philippines sont un proche voisin de la Chine. En fin de compte, les différends ne concernent que nous. L'arbitrage unilatéral initié par le gouvernement de Benigno Aquino III est illégal et caduc. Cette question ne peut être uniquement gérée et résolue par des négociations entre la Chine et les Philippines sur la base du respect intégral des faits historiques et du droit international. Nous espérons que les Philippines puissent s'accorder avec la Chine et qu'elles puissent gérer de façon adéquate ces différends.